Petite vidéo, aujourd'hui on va parler de Michael Bakhtin, on va parler de son concept de dialogisme et on va parler un petit peu de manga. Celui-ci c'est Dédale, mais on va parler du manga en règle générale, pas forcément pour celui-ci, pour faire des liens justement avec le travail de Bakhtin. Bakhtin c'est un auteur super important à partir des années 80, fin 70. C'est quelqu'un qui va révolutionner le domaine de la littérature, de la poésie. Il va influencer la linguistique, il va influencer la communication, il va influencer la psychologie. C'est le gars en fait qui va lancer les bases de l'interactionnisme. Alors, il n'invente pas l'interactionnisme, mais c'est la personne qui va justement amener à ce qu'on arrive à l'interactionnisme et puis justement à tous les rapports sociaux dans la communication, pour dire ça de manière très large. Bakhtin, c'est quelqu'un qui est né en Russie à la fin du 19e siècle, en fait, en 1875. Et ben, il va se passer ce que l'histoire nous a appris sur la Russie de l'époque, Révolution russe, Première Guerre mondiale, etc. Donc c'est quelqu'un dont la pensée va mettre très 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 longtemps à émerger en Occident. Il va même être enfermé, exilé au Kazakhstan dans les années 30. Et donc, on va mettre très très longtemps à avoir son œuvre. Et puis c'est à partir des années 70, donc comme je le disais, à peu près aux alentours de 75, qu'on commence à découvrir son œuvre et qu'on commence justement à l'appliquer dans les universités américaines et anglaises. Et c'est quelque chose qui va avoir un énorme apport justement dans les sciences et dans les manières dont on pense aujourd'hui. C'est super important à noter que bah, c'est cette période-là aussi qu'il va décéder. Donc au moment où son œuvre commence à prendre la place qu'elle aurait dû avoir dans l'histoire, il va disparaître. Et donc, ça reste un auteur assez mystérieux, on n'en parle pas beaucoup. Sa pensée est assez intéressante et complexe, mais parfois, peut-être pour nous qui sommes déjà très en avance avec la modernité, les internets, etc., le fait de prendre parfois pour acquis certaines choses font que ben on va plus le mettre de côté parce que pour nous aujourd'hui ça nous éclaire en fait. C'est normal que un livre ou des livres soient une dialogue et une discussion entre les auteurs, le narrateur, les personnages. Mais ça, à l'époque, ça n'existait pas et c'est ça qui est super important à comprendre. Faut se dire que ben, si on veut le domaine des langues en général, la linguistique, la communication, la littérature, enfin tout ce qui touche, on va dire, à la langue, au langage, au discours, à tout ça, se basait pendant très longtemps sur un modèle qui était récurrent, qui était celui de la Grèce et de la Rome antique. Parce que nos ancêtres grecs et romains, ce qu'ils faisaient, c'est que les compositions littéraires ou artistiques qu'ils faisaient, très, très fréquemment, ils le faisaient sous la forme orale. Et donc, quand c'était écrit, ça prenait la forme d'un poème. Pourquoi? Parce que l'importance du poème et l'idée du poème, c'est que justement, ça puisse être facilement retenu. On capte mieux, on retient mieux et notre mémoire travaille. Et l'idée était que, justement, comme on peut le retenir avec la mémoire et comme on peut le réciter, on peut le transmettre de génération en génération. Une fois qu'on a mis ces modèles-là sous forme écrite, et ben ça nous a donné des textes, des poèmes en fait, et des textes qui étaient extrêmement hiérarchisé, extrêmement structuré. Et donc quand nos spécialistes, philosophes, linguistes, et puis tout ce qui traîne avec tout ça, décident de s'intéresser au langage et qui se basent sur les écrits et qui se basent sur justement les histoires qui ont été écrites puis qui ont traversé le fil du temps, ils remarquent des structures qui sont toujours les mêmes. Et ça nous amène un petit peu, comme je le dis assez fréquemment, à dans les années 70 cette idée de structuralisme. C'est le pic du structuralisme, il existe bien avant, mais c'est le pic. Et en fait, si on veut, donc Bakhtin est jeune au moment où Saussure va commencer à mourir. Donc il connaît le travail de Saussure, et Saussure fait quelque chose de très intéressant, c'est que lui, il divise en deux le langage, et il fait une différence entre la langue et la parole. Et Bakhtin, il n'aime pas ça. Il se dit, moi je ne vais pas m'intéresser à la langue, je vais m'intéresser plutôt à la parole. Pourquoi? Parce que le problème de la langue, d'après Bakhtin, c'est que c'est un système qui est clos. Donc, basique, hein, signifiant, signifié, l'idée c'est que le mot contient en lui-même une seule réponse, une seule solution, une seule définition. Il veut dire qu'une chose. C'est très binaire comme manière de penser. Et Bakhtin se dit, c'est intéressant, c'est juste, effectivement, un mot contient quelque chose, et lui il va dire en gros son sens. Puis la réponse possible à son sens.
Et là, ça commence à devenir un peu compliqué. Pourquoi Bakhtin fait ça? Parce que Bakhtin, il réfléchit et il se dit, ok, il commence à analyser les romans qui viennent d'arriver. Dostoïevski, c'est un russe, donc il analyse des œuvres russes, ce qui est classique, et il commence à comprendre que ben, un roman, c'est pas structuré, en fait. C'est pas structuré comme un poème. Et c'est même plus intéressant que ça, c'est qu'un roman donne la parole à plusieurs personnes, plusieurs personnages, dont le narrateur, donc l'auteur, et que tout ça dialogue ensemble. Et quand on a une œuvre finie, on a l'impression que c'est bien structuré, que c'est logique. Mais ce que nous explique Bakhtin, c'est que c'est pas logique en fait. C'est un discours qui se travaille à travers des interactions continues. Il prend cette même idée et l'applique au langage. Et il dit, quand tu as deux individus qui parlent, même s'ils parlent avec un mot, ce mot-là n'a pas un sens déterminé, fini, blanc et noir, il peut avoir plusieurs réponses. Et en fonction de la réponse, on va donner un autre mot et on va construire comme ça la communication. Et ça va être révolutionnaire. Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas le langage ou les œuvres comme des interactions, mais on les pensait comme des choses finies, prédéterminées, etc. Pour prendre un exemple très concret, un manga. Comme vous le savez, le manga, c'est de la BD, et la BD, ça utilise des codes particuliers de langage et même de face. Et c'est ça qui est intéressant avec le manga, c'est que il n'y a pas beaucoup de types de faces différentes. Je peux lire 5 mangas de 5 types différents, je vais voir toujours les mêmes expressions faciales. Autre chose, il y a un truc qui est super important avec le manga, c'est que très fréquemment, il n'y a pas beaucoup de décors en fait. Très peu. Il y a des mangas avec des décors. Mais en règle générale, il y a des mangas avec très peu de décors. Et c'est aussi en noir et blanc. Et donc, on voit que c'est un système de langage assez simple. Et donc, il faut qu'il y ait des narrateurs. Il faut que l'auteur nous explique et nous décrive ce qui se passe. Parce que comme l'œuvre en tant que telle, sous sa forme dessinée, est trop pauvre, les auteurs, les narrateurs sont obligés de nous rajouter des choses ou sur le personnage ou sur ses pensées ou etc. etc. Pour revenir à l'idée de Bakhtin, c'est Bakhtin me dit, nous dirait, bah, j'ai lu votre manga et ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est plein de voix qui parlent en même temps. C'est le personnage qui parle, c'est le narrateur qui fait parler la pensée du personnage, c'est un autre personnage qui parle, c'est le narrateur qui parle des deux personnages en action. Il y a le méchant qui parle, il y a les méchants qui parlent, il y a des gens qui viennent aider les héros qui parlent, et donc on se retrouve dans une polyphonie. Et c'est ça qui est important avec Bakhtin. Et c'est pour ça que son concept, c'est celui de dialogisme, parce qu'il y a une idée de dialogue. Et pour lui, et là ça va être un mot compliqué, les mots, les histoires ne sont pas équivoques. Elles n'ont pas qu'un seul sens, elles ont toujours plusieurs sens. Et c'est justement parce qu'elles ont plusieurs sens que ça fait qu'elles sont riches. Et donc, cette histoire-là, je peux la lire plusieurs fois et comprendre plusieurs choses différentes. Et en plus, je vais y mettre même ma propre parole dedans. Et donc, ce qui fait la richesse de cette œuvre-là, c'est pas le fait qu'elle soit une structure qui ne bouge plus, mais c'est le fait que justement, elle soit un dialogue continu. Et ça, c'est important. Et je sais que pour nous, ça peut paraître logique. On a passé notre vie dans cette manière de penser quelque part, pour la majorité d'entre nous. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. C'était quelque chose de très, très, très nouveau, puisque on cherchait à trouver justement cette structure. On essayait de montrer absolument comment ces lois fonctionnaient pour tout et n'importe quoi, pour toutes les langues, par exemple. Et tout d'un coup, il y a un type qui débarque et qui dit, mais non, pas du tout. Vos structures, c'est pas qu'elles sont pas pertinentes, c'est que le discours, la communication, le langage, c'est quelque chose de vivant. Ça bouge, ça s'interprète, ça change de sens. Et ça, c'est génial. Et je trouve que c'est la force du manga. La force du manga, c'est que ça a été écrit par des Japonais pour des Japonais. Et pourtant, moi, je le lis. Ça m'intéresse. Ça me fait penser, ça me fait réfléchir, ça me fait évoluer. Et ça me touche, les valeurs me touchent, pourtant c'est complètement une autre société. Et donc on voit que à travers ça, je dialogue aussi à travers la culture japonaise.
Et donc, on passe notre temps à être dans du dialogue. Et c'est pour ça que très souvent, quand on parle de Bakhtin, on parle de polyphonie, en fait. Plusieurs sons, plusieurs mélanges de sons. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Bakhtin, c'est encore tout un champ théorique à explorer. Je dirais que la faiblesse de sa théorie, quelque part, c'est le fait que c'est pas encore super bien défini ce que c'est que le dialogisme ou la polyphonie, où ça commence, où ça s'arrête. Mais c'est un travail super intéressant, c'est quelqu'un à découvrir, et à mon avis, il va encore marquer pendant encore quelques temps les sciences du langage en règle générale, dans lesquelles j'ai introduit la littérature et la communication pour justement faire une grande famille, et se dire que tout ça n'est pas si étanche que ça, il y a vraiment des passerelles à faire et il faut en profiter. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, et puis à très bientôt.